Le tour du monde en 80 jours. J'ai lancé une lessive, monsieur. Toute l'histoire, toute l'intrigue du roman de Jules Verne est gardée. Et après, évidemment, comme c'est difficile de faire de l'aventure au théâtre, parce que on n'a pas tant de moyens que ça, eh ben, on a remplacé l'aventure par de la comédie. Je m'appelle Aoud. Oh, c'est joli. Ça vient d'où? Bah des Indes, connard. Vous me prenez pour un représentant de la Compagnie des Indes. Mais en fait, je suis inspecteur de police. Inspecteur de police? Ouais. Le pari, c'était d'essayer de faire vivre avec pratiquement un décor nu des ambiances différentes. Qu'on soit dans la jungle, qu'on soit sur la mer, qu'on soit dans un train. Écoute étranger, je suis ici chez moi, je te le dirai pas deux fois. Écoute étranger, je suis ici chez moi, je te le dirai pas deux fois. Moi je prendrai le numéro complémentaire, le 12. Ah, plus de 12, moi te donner du 13, t'en enlèveras un peu, ça te fera du doude. Le propos était d'essayer de faire rire avec une histoire déjà connue, de faire un et d'apporter un décalage. Et où est-ce que nous allons cette fois? J'hésite entre 5 semaines en ballon, 20 milieux sous les mers et un voyage au centre de la Terre. Il n'y a pas de monde fier dans le roman de Jules Verne. Je vous ai